Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Et ce matin, à deux jours de la fermeture des listes électorales des diverses formations pour la prochaine Knesset, la 21e Knesset, les quotidiens et les sites d'information israéliens nous livrent les derniers développements. Ainsi, le Israel Hayom titre ce matin: Binyamin Netanyahou fait le forcing pour unifier les voix de la droite israélienne, la droite nationaliste israélienne. Le Premier ministre a en effet demandé aux leaders du foyer juif de venir le rencontrer afin de les persuader d'intégrer la petite formation Otzma, qui est plus radicale sur la droite de l'échiquier politique, dans un bloc nationaliste. Mais les deux leaders du foyer juif, le Rav Rafi Peretz et Bezalel Smotrich, n'ont pas donné suite à la requête du Premier ministre, qui avait également demandé à Eli Ishay de ne pas se lancer seul dans la course électorale, de crainte de faire perdre des voix précieuses à la droite israélienne. Le journal parle de tractations qui se poursuivent également entre Yair Lapid et Benny Gantz, mais toujours pas d'union entre les deux formations centristes. Et le journal cite Yair Lapid qui affirme que rien ne presse et qu'il est possible de tout arranger dans les deux prochains jours. Un rapprochement entre Benny Gantz et Orly Lévy Abécassis reste toujours à l'ordre du jour. Dans le Israel Hayom de ce matin, Meir Indor met en garde la droite nationaliste contre des guerres d'ego qui pourraient l'affecter électoralement. Il lance un appel ce matin au Rav Rafi Peretz et à Bezalel Smotrich afin qu'ils assouplissent leur position et laissent entrer dans leur liste un délégué du parti Otzma et même éventuellement d'Eli Ishay. Le Israel Hayom indique également que Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont annoncé l'arrivée dans la nouvelle droite de deux figures connues du sionisme religieux, le journaliste Eliashiv Reichner et l'un des dirigeants de l'organisation Tsohar. Le journal annonce également que la liste unifiée arabe est en passe de se démembrer et que le parti communiste arabe, Hadash, pourrait la quitter. Donc apparemment, les partis arabes ne se présenteraient pas lors de ces élections de manière unifiée, ce qui pourrait les affaiblir. Le Yediot Aharonot, lui, se focalise plus sur les unions possibles du parti de résilience pour Israël de Benny Gantz. Pour l'instant, les tractations se poursuivent, mais l'on se prépare également à l'éventualité qu'aucun accord n'intervienne entre Gantz et Lapid. Dans ce cas, écrit Nahum Barnea ce matin en une du Yediot Aharonot, il faudra que les deux formations centristes évitent de se livrer à des combats intestines entre elles, car cela risquerait d'éloigner des électeurs potentiels. Ben Dror Yemini, dans le Yediot Aharonot, parle également de la liste électorale présentée hier par Yair Lapid lors de son intervention devant les militants de son parti Yesh Atid, d'une liste arbitraire aussi bonne que celle obtenue par les partis qui ont procédé aux élections primaires, écrit ce matin Ben Dror Yemini. Quant à Sima Kadmon, elle revient sur l'annonce du retrait de la vie politique de Tzipi Livni, la femme politique qui a failli être Premier ministre en octobre 2008, mais qui n'a pas su saisir sa chance au moment opportun et qui depuis n'a jamais concrétisé les espoirs placés en elle. Les larmes aux yeux, Tzipi Livni a annoncé hier son départ, et Sima Kadmon écrit qu'il ne faut pas être de gauche pour admirer la manière digne avec laquelle cette politicienne se retire de la vie politique en Israël. Quant à Yossi Werther, il est plus tranchant, plus cinglant dans le Haaretz de ce matin. Après 20 ans de vie politique, Tzipi Livni a compris que la marchandise qu'elle proposait n'avait plus d'acquéreur. Fin de citation. Et puisque nous sommes dans le Haaretz, sachez que le journal insiste ce matin sur les efforts de recrutement d'Avi Gabay, le leader du Parti travailliste, était prêt a placé au second rang de sa liste électorale Rubik Danilovitch, le maire de Be'er Sheva, mais celui-ci a refusé cette offre plutôt séduisante. Les quotidiens reviennent également sur ce qu'ils qualifient de tremblement de terre diplomatique. Il s'agit de la crise ouverte entre Israël et la Pologne autour des déclarations faites par le nouveau ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, qui avait accusé sur I24 News les Polonais de têter l'antisémitisme au sein de leur maire, une déclaration qui avait été faite il y a de nombreuses années par Yitzhak Shamir, l'ancien Premier ministre. Cette phrase a provoqué l'annulation pure et simple du sommet de Visegrad qui devait se tenir aujourd'hui en Israël en présence des premiers ministres de Tchéquie, de Pologne, de Slovaquie et de Hongrie. Le chef du gouvernement polonais, Morawiecki, a annulé sa visite en Israël et à Varsovie, on parle de crise très grave entre les deux pays et on exige des excuses de la part d'Israël. Selon les proches du premier ministre polonais, celui-ci envisagerait même de rappeler l'ambassadeur de Pologne à Tel Aviv et même de rompre tout simplement ses relations avec l'État d'Israël. Dans le Yediot Aharonot, Sever Plutzker, écrit que tant à Jérusalem qu'à Varsovie, on refuse de reconnaître la complexité de l'histoire des relations entre la Pologne et le peuple juif.
Le Yediot Aharonot publie ce matin un article intéressant de sa correspondante à Paris, Tamar Chavak, sur le mouvement des Gilets jaunes et ses expressions antisémites. La journaliste se penche en particulier sur l'antisémitisme de certains de ces Gilets jaunes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Elle affirme que des recherches effectuées par le groupe intitulé Vocative mentionne l'existence sur des réseaux sociaux de nombreuses plateformes d'expression antisémite particulièrement grossières. Ces plateformes publient des caricatures antisémites de juifs avec un nez crochu, des affirmations selon lesquelles le monde sans les juifs serait plus agréable, et ce sans être poursuivi par la justice française. Certaines de ces plateformes sont conçues apparemment en Russie. La journaliste israélienne mentionne également cette alliance contre nature entre l'extrême gauche et l'extrême droite qui s'exprime sur d'autres plateformes comme celle la plateforme VK. C'est donc un titre que l'on trouve ce matin dans le Yediot Aharonot. Le Israel Hayom, lui, annonce que 7 membres importants du Labour britannique ont décidé de quitter ce parti en raison de l'antisémitisme de son leader James Corbyn. Il accuse le Labour d'avoir été kidnappé par des éléments d'extrême gauche. L'un des membres du Labour qui ont quitté le parti n'est autre qu'une députée travailliste juive, Luciana Berger, qui n'a pas caché qu'elle ne se sentait plus à l'aise dans cette formation politique. D'autres titres en bref ce matin. Dans le Yediot Aharonot, on trouve le journal consacre sa manchette ce matin à un développement pour la première fois depuis 23 ans. En effet, le commandant des commandos Matkal, l'unité d'élite de l'armée israélienne, va quitter ses fonctions sans progresser dans la hiérarchie militaire. Le Yediot explique que le commandant de l'unité de Tzahal, une unité d'élite, a décidé d'interrompre cette carrière militaire brillante et d'entrer dans la vie civile. Le Yediot Aharonot, toujours, nous explique combien coûtera un billet d'entrée pour la finale de l'Eurovision qui se tiendra, vous le savez, le 18 mai prochain à Tel Aviv. La réponse est étonnante, entre 1500 et 2000 shekels le billet. Le Maariv, lui, se penche enfin sur un véritable phénomène de société, l'engouement des Israéliens pour les excursions. Ça, on le savait, on le connaissait, mais en particulier pour les excursions sur le parcours du Shvil Israël. Il s'agit d'un parcours qui s'étend du nord au sud d'Israël, qui traverse tout le pays. Des milliers, même des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes effectuent ce parcours sur plusieurs centaines de kilomètres, souvent étalés sur plusieurs mois, et c'est devenu donc une sorte de véritable phénomène social en Israël. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.